Salut Tubos, c'est Grand Miam, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose Half-Life 2. Yes! Alors, quel bel hommage au Steam Deck que de jouer à ce jeu-là. Alors, regardez, il y a la fonction gyroscope qui fonctionne plutôt pas mal. Ça donne un petit peu d'immersion au jeu. Et on va voir ensemble comment il se comporte. Alors, surtout, en attendant, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis, n'hésitez pas également à nous rendre visite sur Discord, sur Facebook. Oula. Et puis, vous avez également le site internet puissancesteamdeck.com pour référencer toutes les performances que vous allez... Ah, j'ai du mal à parler. Les performances que vous allez trouver en jeu. Et vous pouvez également les consulter, évidemment. Oh, c'est beau ça. Alors, attendez, parce que du coup, hop, je pense qu'il y a des choses à récupérer dedans. Voilà. Et puis, il y avait peut-être des choses à récupérer aussi dans cette pièce. Ah, voilà. Là, ça fait toujours du bien. Alors, comment se comporte le jeu sur le Steam Deck alors qu'on est tout à fond? Voilà. Hop. Et puis, dans les options... Voilà, hein, ça veut tout dire, on est d'accord, voilà, tout est à fond, tout simplement, tout est à fond, à fond, à fond. Et eh bien, le jeu se comporte vraiment terriblement bien. Alors, par contre, hop, il faut que je sache où je dois aller exactement. Alors, ça doit être là, parce que c'est un petit peu tordu. Voilà. Dégagez-vous, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix, arrêtez de me tirer dessus. Oui. Je peux me prendre pour Bruce Willis. Hop. Hop. Ah vache. Ouais mais là les gars, wesh les gars. Ça peut aider, le gyro. Après, ça peut être aussi un petit peu déroutant. Hop là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça tourne plutôt bien. Oh là là. Oh là là, ils sont de l'autre côté. Ah, comme c'est un jeu qui demande pas beaucoup de ressources, ben ma foi... Oh là, la vache. Hyper fluide, hyper fluide. Hein. De toute façon, 60 images secondes, ça va très bien au jeu. Faut que je descende. Ah ouais, faut que je descende, ok. Arrêtez de me tirer dessus! Arrêtez de me tirer dessus, bon sang! Je suis innocent! Je suis qu'un pauvre scientifique! Oh! Ils se sont fait écrabouiller! Écrabouillés, les gars. Eh ouais. Hop là. Alors, je sais pas s'il faut que je descende ou pas. Est-ce qu'il faut que je descende ou pas? Peut-être qu'il faut que je descende. Hein. Voilà. Eh, hey, joli les reflets. Pas mal. Je pense que de toute façon, il fallait que je passe par là. Voilà. Oh, joli, joli. Ah, même si le jeu, il date un peu. Bon, en tout cas, sur le Steam Deck, c'est monstrueux.
Ça, c'est clair et net, c'est monstrueux. Ça passe crème, hein. Ça passe vraiment crème. Et le 60 FPS permanent. Oh mon dieu, oh la gueule! Vous avez de la chance. Ah vous ouais. Êtes pas le premier arrivé. Bon, après, graphiquement, faut pas s'attendre non plus à un truc de ouf. Hein, c'est... Aïe. Je sais pas c'est qui son coiffeur, mais en tout cas, il l'a un petit peu loupé à l'arrière. La station centrale est juste là. Ok. Ils vous aideront. Mon ami Vortigaunt va vous recharger pour la route. Ouais, vas-y, Vortigaunt, recharge-moi un petit peu pour la route. Donne-moi une petite binouze. Shoryuken. C'est tout? Faites attention. Ouais, vite fait, hein. Surtout pas se faire. Bah, on... Si la PC vous chope ici, c'est mauvais pour toute la voie ferrée. Et si je le tape? Une sale gueule, toi. Statut évasion en cours. Voilà. Alors, par contre, oui, il y a des temps de chargement entre deux. Lorsque vous rentrez dans une nouvelle zone. Alors, c'est vrai que c'est pas terrible, hein, de prime abord, mais c'est pas trop méchant. Donc, on lui pardonne. On lui pardonne assez facilement. C'est un jeu qui date aussi. Hein. Oula. Il va faire gaffe de ne pas se faire gober. Là. J'ai joué à Half-Life Alyx. À l'époque où j'avais l'Oculus Rift. C'était vraiment génial. Et on retrouve un petit peu les mêmes monstres. Alors moi, le gyro, je l'utilise pas beaucoup, à vrai dire. Mais voilà, en l'utilisant, bah, c'est pas mal aussi. Ah oui. Hop, on va passer par là, parce que il fait mal, lui, avec sa grosse mitraillette lourde, là. Pas vu lui, dans le noir total comme ça. Voilà, ah, ça c'est bon ça. Station 8, ici station 7. On est mal, patron, on est mal. Vas-y. Ok, aïe. Bon, après, graphiquement, c'est pas non plus au top du top. Même la jouabilité, on est quand même dans quelque chose de linéaire. Bon, voilà. Hop. Alors là, par contre, le gyroscope peut prendre tout son sens. Ah ouais. Ah bah là, oui, là. Alors, sauf pour les... Alors, il faut garder le pouce. mais là, du coup, pour faire la vidéo, c'est pas super. En fait, il faut garder le pouce sur le stick analogique droit. Mais dégage-toi! Alerte maximale. Bon, l'autre, il m'envoie carrément des missiles, s'il te plaît. Et calme-toi, mon gars. Mais il est ouf, lui. Il est ouf. Mais carrément, je suis un pauvre petit humain. Oh là là. Dégage-toi, tu me mangeras pas. Voilà, non! Non! Fous-moi la paix!
Ne mange pas. Ah ouais, bah là, du coup. Bon bah voilà, et tu bosses, hein, regardez, le jeu fonctionne à merveille. Ah. D'accord, ok. Ouais. Mais encore. Donc vous avez vu, hein, le jeu fonctionne bien. Nickel. Alors après, évidemment, c'est pas un jeu qui demande de très très grosses ressources, hein, forcément. Donc, hop, et ben je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ah voilà, ok, d'accord. Ça a ouvert la trappe, voilà. C'est très sombre. Et puis bah on va se quitter sur cette petite fin où je suis attaqué de partout. Mais le jeu reste efficace. Encore une fois, un bel honneur. Allez, regarde, tiens, hop, voilà. Ah, je les ai tous explosés d'un seul coup. Un bel hommage du coup au Steam Deck que de faire cette vidéo, franchement. Donc voilà les tubos. On finit cette vidéo sur cette belle explosion. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!